Je vais vous expliquer une astuce qui va vous permettre de débloquer le pistolet laser en solo. Déjà, pour débloquer ce pistolet laser, vous allez devoir vous rendre dans la zone de niveau 3 et accepter le contrat éliminer la cible. Là, vous allez devoir tuer des zombies élytres pour obtenir une faille de récompense. Dans cette faille de récompense, si vous avez de la chance, vous allez obtenir le pistolet laser. Cependant, ce n'est pas systématiquement à tous les coups. Donc ce que je vous conseille, pour être sûr d'augmenter un maximum vos chances, c'est de faire plusieurs fois le contrat dans la même partie. Parce que en réalité, plus vous allez faire des contrats en fin de partie, et plus vous aurez de la chance de débloquer des schémas. Alors maintenant, si vous voulez carrément éliminer les cibles en solo, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans le shop de niveau 3. Dans ce shop-là, vous allez pouvoir acheter un mastodonte. Avec ce mastodonte, vous allez éliminer les boss super facilement. Alors je vous conseille quand même de recruter un chien qui va vous permettre de vous réanimer en illimité. Si vous ne connaissez pas les emplacements des niches ou que vous ne savez pas comment obtenir un chien, je vous mettrai une vidéo en description en commentaire épinglé qui vous l'explique. Alors ensuite, quand vous êtes prêt, vous allez vous approcher du boss. Mais ne vous approchez pas trop, parce que là, vous allez dupliquer le mastodonte, ce qui va vous rendre quasi invincible et super efficace. Donc pour ce faire, vous avez juste à sortir votre mastodonte en faisant flèche de droite. Quand vous en êtes équipé, vous faites flèche du bas pour aller dans votre sac à dos et vous lâchez le mastodonte en appuyant sur X. Là, vous verrez que votre série d'élimination tombe par terre, mais que vous pourrez toujours appuyer sur R2 pour justement appeler le masto. Donc c'est ce que vous allez faire, et ensuite vous allez récupérer votre série d'élimination qui est par terre. Vous faites ça en illimité pour avoir plusieurs mastodontes autour de vous. Ensuite, quand vous en avez 3-4, vous les utilisez et vous allez tuer le boss. Et si vous faites bien tout ce que je vous ai dit, logiquement, en une ou deux games, vous débloquerez le pistolet laser. Moi, personnellement, je l'ai débloqué à ma première tentative. J'ai tué 3 boss et à la fin de la partie, le dernier boss, il m'a carrément donné le pistolet laser.